suite, et Yo, il part, il se fait prendre par Max. Il me transmet le ballon, voilà, nickel. Et donc là, ça vient refermer. On repart, on remet sur la situation. Là, il me transmet le ballon. Manu, lui, me pointe. Et lui, quel va être son rôle au joueur intérieur? Paralyser les champs. Fermer la zone. Pas qu'il y ait transmission possible. Là, je suis mort. On va refaire. Pas de quoi, ça. J'arrive. Oui. Là, je suis mort. Ok. C'est des éléments qu'on peut rajouter. Voilà. Hein? Donc après, on peut la codifier. Hein. Alors, soit on le communique, soit on se met déjà en place, mais travailler sur les, sur les espaces. Il y a beaucoup de joueurs qui, si on le communique pas, qui vont regarder la zone ballon, qui vont se concentrer ici, et sur une transmission. Et là, c'est ce qu'on voit beaucoup. Manu, tu resserres. Manu regarde la zone ballon. Il regarde la zone ballon, transmission. Et rien que sur la passe, j'ai été démarqué et j'ai éliminé trois adversaires. Et ça, il faut pas.